Qui t'aime dire tout au cours des semaines, non? Ma pensée m'a dit, wait a minute, qui ça m'a dit? Qui t'aime dire, je choisis un texte, je choisis un titre, mais il paraît que m'a changé de titre là. All right? Maintenant, si vous avez un ensemble avec moi, je vous invite rapidement à tourner avec nous dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, mais cependant, ce sont élèves de la Bible. Ce sont élèves de la Bible, vous allez comprendre que c'est important pour être capable de lire depuis le chapitre 1. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, et nous allons lire les versets. Philippiens chapitre 3 verset 12 à 16. Philippiens chapitre 3. Philippians chapter 3 verses 12 to 16. And this is what the Bible says. Maintenant, quittez-moi de m'espérer que pendant qu'on lit, gardez ça texte à dire, portez attention à ce qu'on va dire parce que ça nous va dire il va là dans tout. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13, frère, on est capable d'ajouter sœur. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Qui ça le dit, les verbes faire? Une chose, qui ça le dit? Oubliant ce qui est en arrière, en me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Verset 15. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Verset 16, qui est très important. Seulement, qui ça le dit? Seulement, au point où nous sommes parvenus. Ils ont dit, marchons comment? Au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Amen. Maintenant, petit message nous te gagne aujourd'hui, c'est courons vers le but pour gagner le prix. Mais cependant, nous voulons changer. Nous voulons dire, que gagnez-vous quand vous perdez? Que gagnez-vous quand vous perdez? What do you gain when you lose? What do you gain when you lose? Obviously, some of you may say, Pastor, what do you mean? That makes no sense. If you're losing, you cannot gain anything at all, right? But we're going to see, what do you gain when you lose this morning? Que gagnez-vous quand vous perdez? Prions. Let us pray. Father, not me, but you. Speak to us this morning or this afternoon. Hide me behind the cross. In Jesus' name we pray. Amen. Que gagnez-vous quand vous perdez? What do you gain when you lose? L'épître aux Philippiens est la dernière des quatre épîtres de prison de Paul. Cette lettre n'a pas été écrite dans un seul but. Paul avait plusieurs raisons d'écrire cette lettre. Il voulait informer l'Église de sa situation. Il voulait les remercier
pour un cadeau qu'il lui avait envoyé par Epaphroditus. Paul voulait leur donner des informations sur Epaphroditus et sa guérison de la maladie dangereuse dont il avait été atteint. Il voulait les mettre en garde contre les fausses doctrines et les faux enseignants. En sorte que vous avez compris, Paul a écrit ça exactement à Mont des Oliviers. Des fausses doctrines, des faux enseignants. En particulier ceux des chrétiens juifs qui insistaient sur la circoncision des gentils. Qui t'aime depuis le monde, tu es toujours un juif saouan dans l'église. Toujours un juif saouan dans l'église. Toujours un conseil de monde dans l'église qui veut imposer un conseil de loi à un autre monde, mais eux-mêmes, ils ont décidé la loi. Toujours un conseil de monde dans l'église qui a fait loi pour tout le monde, mais celle pour eux-mêmes qui n'ont pas de loi. Toujours un conseil de monde dans l'église qui toujours dit que c'est qu'on s'allie. Mais tout qu'on s'allie, c'est tout autant qu'il n'y a pas de collage dedans. Je vais dire, honestly, let me begin with a disclaimer. I'm not going to be the most popular preacher for you. I'm not here to please anybody. I'm here to please God, first of all. All right? Let me get this out of the way so that you don't think anything. Moi là pour me faire bon Dieu plaisir seulement. Et m'a tout ça me pour me dire. Paul écrivait cette épître pour encourager les chrétiens de Philippe à rester ferme dans la vérité. En sorte que je t'ai dit, Paul t'a écrit à ou même avec moi pour nous capables de qui Jean ferme dans qui ça? Dans la vérité. Et qui est-ce qui est vérité? Jésus, c'est la vérité. C'est pas ça? Jésus lui-même dit dans Jean 14, verset 16, je suis le chemin et la vérité. En sorte que vérité, c'est Jésus qui est lié. Paul écrit cette lettre pour éviter des querelles dans l'église. Est-ce qu'il y a des querelles dans l'église? Il y a parlé en pile dans l'église? Hello. Paul écrit pour dire non. En tant que chrétien, nous avons une façon nous devons vivre. En tant que chrétien, nous devons suspendre parler de l'autre mal. En tant que chrétien, nous lisons l'élite pour nous apprendre à encourager une autre. En tant que chrétien, nous lisons l'élite pour nous apprendre à uphold one each other. Paul écrit l'être là pour capable encourager l'unité dans l'église. Et à la fin, il voulait exhorter les chrétiens à se réjouir en Jésus-Christ. Seulement quand on est capable de réjouir en Jésus-Christ. C'est ça que Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur et je le répète, réjouissez-vous. Mais surtout, Paul écrit cette lettre parce qu'il avait pour eux une profonde affection. Paul te remet l'église. Now, let me say this. Paul said, if you notice that in verse 10, Paul talked about that he wants to know Christ. In other words, Paul made knowing Jesus Christ his main focus. Et qui t'aime dit si focus ou même avec moi en tant que chrétien, en tant que l'église, c'est pas connaître Jésus-Christ, focus nous mal placé. Nous devons apprendre à connaître Jésus. Paul fait de la connaissance de Christ la chose la plus importante de sa vie parce que rien n'est comparable à la connaissance de Christ. Il est possible que certains d'entre nous aient pensé que Paul avait vraiment réussi sa vie chrétienne. Il y a un peu de nous qui a pensé que Paul était déjà arrivé. Paul était déjà dans le ciel. Paul dit non. Au contraire, moi-même, j'ai ensemble avec nous. Qui t'aime tout dit là, il y a un peu de monde qui pensait qu'il arrivait déjà dans l'église. Ou pas peut-être ou pas connaître monde ça yo dans l'église côté m'était passé longtemps yo. Non, bon ici on va parler avec monde boy, ça m'a parlé avec monde côté m'était sorti yo. Dans l'église côté m'était sorti yo, il y a plein monde qui pensait yo arrivé déjà. Il y a plein monde qui pensait c'est dans ciel yo t'y est déjà. Il y a plein monde qui pensait ah bon pas rien bana, celle-là déjà faite pour moi. Mais moi va saisir pour comprendre que il y a plein monde qui pensait y a sauvé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un peu de monde qui pensait qu'il n'y a pas de sauvé, il y a sauvé parce que Jésus a sauvé tout. Et ou même qui a sauvé, il a saisi pour sauver, il a dit, oh, comment on fait là tout?
Parce que Jésus a sauvé ou soit fait effort tout bon vrai. Paul dit, Paul said, I have not, I'm not there yet. In fact, Paul said that I am running. I'm running. I'm in a fight. So I'm fighting just as much as you are fighting. I have the same struggles that you have. I'm exposed to the same sins that you are exposed. So therefore, Paul said, don't ever think that I have already made it. In fact, I'm trying to get there too. Et qui dit, si vous pensez arriver déjà, ici à la papou. Am I right? Si vous pensez arriver dans le ciel déjà, ici à la papou. Ici à la, dans l'église, c'est côté monde qui beaucoup aller dans le ciel. C'est pas ça lié? Dans l'église, c'est côté monde qui fait effort pour aller dans le ciel. Ici à la, c'est côté monde qui se péché, qui connaît que c'est péché, qui dit Jésus, je viens de nous pour faire grâce. Maintenant, moi, je ne sais pas pour vous-même. Mais aussi longtemps que je me concerne, sous le même bâtiment, ensemble avec moi, nous tous ces péchés nous y est. Et pas ça? La Bible dit, vous êtes tous des pécheurs et nous privés de la gloire de Dieu. We are trying. Il était arrivé, eh bien, pour dissiper tout malentendu, Paul précise qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas déjà obtenu tout cela. Il n'a pas déjà été rendu parfait. Mais cette vérité, au lieu de le décourager de sa vie, dans sa vie chrétienne, le motive d'autant plus à avancer vers le but pour sa, vers le but de Dieu pour sa vie. Chaque fois que vous vous sentez découragé ou lent dans votre marche chrétienne, laissez-moi vous encourager ce matin à travers les versets de Philippiens chapitre 3 verset 12. Lorsque vous découragez, ou bien vous n'êtes pas capable de penser au passage, pas quitter mon foi penser au passage. À travers Jésus qui nous quelque chose. Et c'est à travers Jésus qui seulement nous quelque chose. Paul dit non, je ne peux pas arriver. Mais yon bagay m'a fait, m'a avancé vers l'avant. Maintenant, m'a connu si gen pile nan nou la qui kon kouri déjà. Have you ever run a marathon? Hein? OK. En pile moun pense la vie a c'est yon a dash print. La vie n'est pas comme ça lié. La vie est en course lié. Où est mon cap courir? Mon où est cap courir? Lorsque vous comptez, où est qui parti à plus vitesse là? C'est lui qui passe qui était puis devant parce qu'il prend le bouquet. Parce que l'idée est parti à trop vitesse. À vitesse, il parti, c'est pas vrai, il va priver vrai. La bouquet dans route là. Ou même qui a parlé comme ça. Vous passez qui était lié et vous arrivez à atteindre. Et c'est ça que la vie chrétienne dans tout. La vie chrétienne dans tout, c'est un course lié. C'est une lutte liée. C'est effort nous tout à faire. Et si effort nous tout à faire, qui t'aime tout effort à faire, c'est Jésus qui a fait nous faire les tours. Faire une bonne course demande de la concentration. L'homme courir, il demande pour capable apprendre, concentré. De même tout dans la vie. Hein? Faut dire que t'aime tout dans la vie. Hein? Il y a tellement de cacophonie dehors, de tellement de bruit qui a fait dehors. Si vous n'avez pas perdu, si vous n'avez pas focus, vous n'avez pas quitté bon Dieu dehors, vous n'avez pas aller écouter autant de bruit. Ça me dit la vérité? Il y a un pile de bruit, there is a lot of noise. Pour quitter le matin, il y a de l'air où vous devez bloquer les oreilles pour pas entendre de bruit. Il dit, vous devez être concentré. Il demande effort physique, il demande de la persévérance. Courir une course signifie que vous êtes là pour le long terme. Au début, à la fin, vous mettez toutes les distractions de côté et vous restez concentré sur une chose, avancer et terminer la course. Vous ne regardez pas en arrière, vous ne regardez autour, vous ne retournez pas et surtout, vous n'abandonnez pas. Lorsqu'on est en course, ou pas qu'à abandonner. Notez bien ça, Paul dit, au verset 12, ce n'est pas que j'ai remporté le prix. En sorte que Paul dit, il peut arriver dans le ciel. Il peut atteindre la perfection. In English, there is a thing that says holier than thou. You know that. There are some people inside the church, they have that mentality, they have that syndrome. Holier than thou. Yo toujours voulu comparer avec l'autre monde. On pi bon passe ou.
Ah, ou même ça fait à la m'a pas fait. Mais réalité a, ou qu'on a qui nous doit comparer nous avec Jésus doit comparer. Avec qui nous dit doit comparer? Bon Dieu pas jamais dit nous doit comparer nous avec une autre. Bon Dieu dit que dans Bible nous doit comparer nous avec une autre? Non, avec qui nous doit comparer? Qui monde qui modèle là? Jésus qui modèle là. Si nous besoin comparer nous tout bon vrai, comparer nous avec qui monde? Avec Jésus. Et lorsque vous comparez avec Jésus, après ça va déterminer est-ce que vous êtes bon ou vrai. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et ou que j'ai déjà été atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Lorsque Jésus entre dans vous-même, on va comprendre la transformation qui fait. La Bible dit nous, bon Dieu dit nous venir genouiller, pas vrai? Mais je veux dire dit nous venir genouiller, mais pas dit nous rester genouiller. Am I right? God is asking us to come as we are, but he never says stay as you are. Bon Dieu dit nous venir genouiller, mais venir genouiller, transformation m'a fait pour vous. Mais il va jamais dit nous rester genouiller. Vous avez non? Il va jamais nous rester genouillé. L'ovine à Jésus, il y a une transformation qui fait. Cependant, alors que nous parcourons le chemin de la vie, nous avons tous, à un moment ou un autre, perdu de vue de la réalité. Frère Jésus, si il y a un monde qui là, qui dit pour autre, qui a dit nous, il était toujours fidèle avec bon Dieu, c'est menti le bail. Ou pas toujours fidèle avec bon Dieu dans toute bagaille. C'est menti. Hein? Nous tous toujours fidèles avec bon Dieu. Regardez nous là, nous avons des gens. Nous voulons faire des gens qui sont saints, nous ne pouvons pas nous faire rien qui mal. C'est seul petit monde qui fait ça qui mal. Seul petit monde qui fait ça qui mal. Nous ne pouvons pas faire rien, nous sommes saints, nous sommes seulement droits. Mais quand les petits monde nous posent une série de questions embarrassantes, là, kounya nous prend nous connaît dans énervé kounya. Mais ou te doute toujours. Droite. Allez, qu'aime dou que ou voulez, qu'aime dou frères et sœurs. Que ou voulez le ko pa vle, me songe histoire papa moi. Moi me ka partager ça avec nous. Papa moi, moi c'est monde qui pas rien mais monde ba menti. Me détester monde ba menti. Et façon fonctionner, ça m'abdoula m'abdouli. Et puis papa moi souhaiter le pape tendre. Et puis, je me fais venir ici. J'ai 23 ans. Jeune garçon, 23 ans. Même si j'ai parlé à parler. Et puis, je me dis, oh. Je me dis, ça va dire, il m'en tire. Même quand tu as le carotte. Parce que je m'embarrasse devant le monde. Et c'est vrai, il connaît ce menti, le bail. Il connaît ce menti. Mais il dit, mais quand même, et moi-même, moi dis, c'est menti lié. Bon, pendant deux fois, bon, mon calotte. Même jeune garçon, même accepté lui. Mais depuis le satou, l'aime là, s'il va à ça, il va vérité, il va à l'école. Parce qu'il connaît ma dit, c'est pas ça lié. Maintenant, la Bible compare la vie chrétienne à une course. Et maintenant, qui t'aime d'où? Paul était en prison lorsqu'il écrivait cette lettre. Il n'était pas sûr du résultat d'un procès. Certains auteurs suggèrent que la prison se trouvait à Éphèse ou à Césarée. Mais il est plus probable que Paul était à Rome. Mais cependant, dans Philippiens chapitre 3, versets 4 à 11, l'apôtre Paul revient sur sa transformation personnelle dans la vie afin que nous, aujourd'hui, cessions de commettre les mêmes erreurs. En sorte que Paul, notez bien, dans Philippiens chapitre 3, sous noté, Paul a une discussion l'a fait. Et pendant Paul a fait discussion, Paul prend le bail résumé. Vous comprenez ça? Non, nous comprenons le bail là. L'on applique pour le travail, pas vrai? Vous voyez résumé où aller pour monter pour raison qu'il faut qualifier. Vous avez tout le bagage ça, raison ça m'a donné un job là. Paul, pendant la parole, monsieur, et Paul prend le bail résumé. Parce que monsieur, vous pensez que vous plus que chrétien en pile. Monsieur, vous pensez que vous êtes gros docteur de la loi. Monsieur, vous pensez que vous avez en pile connaissance. Paul dit, mais wait a minute.
Bon, mais essayez de mettre un résumé par nous en face par nous pour moi qui est-ce qui peut bien camper. Et notez qui ça Paul dit. Premièrement, notez bien. Paul ici, le témoignage de Paul peut être divisé en deux parties. Premièrement, les crédits religieuses qui n'impressionnent pas Dieu. Et deuxièmement, les avantages incomparables de la connaissance de Christ. En où est qui crédit Paul gagne? Premièrement, si vous commencez dans le chapitre 3, ouais, Paul parlait de crédit religieuse. Qui crédit religieuse que lui gagne? Il dit, Paul énumère sept éléments ici dans son témoignage qu'il a un moment ou un autre compté comme un gain, mais maintenant comme une perte. Paul disait qu'il n'y a pas de valeur sociale, culturelle, éducative ou historique, mais plutôt qu'ils n'ont aucune valeur pour son salut. Premièrement, crédit religieux. Paul dit, non, wait a minute. Pas oublier, me fait notre tribu Benjamin. Il y a une tribu qui était fidèle avec bon Dieu. À ce que si on monde, si m'a parlé de crédit, si on monde qui a une crédibilité pour monter dans celle-là, c'est à Paul. Paul dit, non seulement je fais notre tribu Benjamin, mais circoncis huitième jour. Si on monde qui qualifie pour celle-là, je suis comme la donne. C'est ça Paul voulait dire. Et pas vrai? Paul a une description. Non seulement je le souhaite dans la tribu Benjamin, lui, circoncis huitième jour. Et Paul, dès qu'il s'agit de pharisiens, pas de pharisiens passés. En sorte que les gens qui parlent de la loi, si tu parles de la loi, c'est Paul qui même qui met la loi même. Si tu parles d'éducation, ou pas qu'on a niveau Paul, parce que Paul est élève, il n'a plus gros professeur de l'or, Gamaliel. En sorte que si tu parles de PhD, THD, Paul was the man. He was the man. Now, on where? Mais cependant, Paul dit, dès qu'il s'agit de la vie éternelle, ça n'est pas important. En sorte que ça me dit, je suis dans l'église longtemps pour m'entendre. Vous entendez ça tout? Enfant de la promesse. Nous ne pouvons pas entendre ça. Nous ne pouvons pas entendre ça. À quel est-ce que vous entendez ça? Hein? Enfant de la promesse. Maintenant, pendant que vous avez dit enfant de la promesse, moi, je me pose cette question. Et Pierre, ça, Pierre, pourrait le dire lui-même. Il n'est pas enfant de la promesse. Il n'est pas mal dans celle lui-même. Hein? Jean avec Jacques, fils du tonnerre. Il n'est pas mal dans celle lui-même. Mais, nous gagnons orgueil religieux qui fait nous comprendre. C'est enfant de la promesse, moi, hier. Et puisque mon enfant de la promesse, c'est un bagage qui revient de droit. La vie éternelle qu'on y a. C'est pas ça? Il y avait des lois. Le salut n'est pas rituel. Et là, on a parlé de rituel. Est-ce qu'on est venu ou venu l'église à la son rituel lié? Nous comprenons ça? Chaque jour, nous venons l'église. Chaque mercredi, nous venons l'église. Ça, c'est un rituel. Un bagaille, nous habituons avec nous venir. Et mais cependant, il n'est pas supposé un rituel. Parce que où doit venir l'église? Parce qu'on ne sait pas chercher qu'il faut venir l'église. Mais, non, nous, qui ça dit? Le salut n'est pas rituel. Notez bien, les judaïsants pensaient alors que le salut s'obtenait par la circoncision. Mais si vous pensez, le seul moyen pour gagner la vie éternelle, il faut circoncis. Et circoncision, c'est juste couper un petit peu dans le prépice, un petit garçon, et puis c'est ça. La salut éternelle passe par là, papa. Circoncision n'est pas capable de la vie éternelle. Circoncision n'est pas capable de la vie éternelle, oui, mais c'est le cœur qui doit circoncire ça. En sorte que l'Éternel doit faire une opération dans moi-même avec vous. Et l'opération que Dieu fait là, c'est que vous-même avec moi, il doit changer. Il doit changer. La circoncision ne donne pas la vie éternelle. Le salut ne s'obtenait pas par la circoncision. Notez bien qu'il a dit qu'il avait été circoncis le huitième jour, selon Philippiens 3, verset 5. Paul a traversé tous les rites de passage pour un être juif. Le salut ne vient cependant pas un rituel ou une cérémonie. Mes amis, nous avons encore besoin d'être circoncis, mais la circoncision dont je parle est la circoncision du cœur par le baptême. Yes, la circoncision pour nous la vie éternelle, mais c'est que nous qui devons circoncis. C'est que moi-même avec vous qui devons changer. Maintenant, le salut ne s'obtient pas par la race. Hein? Si il y a un monde qui t'a dit que ce n'est pas race qui est capable de la vie éternelle, Paul t'a dit ça tout. Mais quelle que soit la race, il n'y a pas de la vie éternelle.
rang social ou pas capable de la vie éternelle. Quantité quoi ou gain la banque pas capable de la vie éternelle. Quantité ca ou gain aux États-Unis en Haïti pas capable de la vie éternelle. Rien pas capable de la vie éternelle sinon que Jésus et Jésus seulement. Le salut ne s'obtient pas par la race, Saul est né de la nation du peuple élu de Dieu. Paul est physiquement né descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourtant, l'héritage racial est incapable de sauver qui que ce soit. C'est pas parce que moi j'ai un petit pasteur, vous pensez petit garçon nan hérité la vie éternelle? Non. Petit moi pas capable la vie éternelle. C'est vrai le cas fait dans l'église là. Mais juste parce qu'il fait dans l'église là, ça va garantir rien. Ça qui garantit une bagaille, c'est marcher avec Jésus en même temps. Marcher avec Jésus, l'homme vit pour Jésus, c'est ça qui a pour la vie éternelle. Mais quel que soit l'homme vient d'église, ou seulement vient d'église, ou pensez vient d'église capable pour la vie éternelle ou échoué. Et me garantis en même temps, ou qu'a vient l'église là, ou qu'a dormi l'église là. Ou ka lever l'église là. Limon ka même lever sou an dans l'église là. À moins que ou converti ou pa ka gen la vie éternelle. Nous devons convertir. Ensuite, Paul parlait le salut n'est pas par an. Paul venait de la tribu de Benjamin. Par conséquent, s'il y a quelqu'un qui mérite le salut, ce doit être Paul. En plus d'être juif, Paul était membre de la tribu de Benjamin, l'une des tribus les plus importantes d'Israël. Jérusalem se trouvait sur le territoire de Benjamin. Et après la scission du royaume, ce n'était qu'une des deux tribus à rester fidèle à Dieu. Le salut privilégié, le statut privilégié de Paul n'a pas impressionné Dieu. Frère Joseph, qui est de position moins là, pas impressionné bon Dieu, non? Position en tant qu'ancien d'église, position en tant que diaconesse, position en tant que directeur département, ça pas impressionné bon Dieu. Ça pas fait bon Dieu ni chaud ni fret. Après tout, c'est bon Dieu qui t'a arrivé dans la position ça. So, vous pensez qu'il a impressionné bon Dieu? Ça pas impressionné bon Dieu. Le salut n'est pas par la tradition. Paul a strictement maintenu l'héritage juif traditionnel de sa famille. Paul était attaché. Et non seulement Paul était tellement strict, Paul était fait partie de sa rele Sanhédrin. Sanhédrin, ce n'est pas n'importe qui monde qui est dans Sanhédrin. Ça, c'est un petit groupe de monde très privilégié qui la donne. Mais Paul réalisait, bah, il n'est pas capable de la vie éternelle. Le salut n'est pas obtenu par la religion. Ah, parce que faites attention avec ce Abdi Kounia. Hein? En plus, on a dit là, parce que faites attention qu'on y a là. Être adventiste, pas avoir la vie éternelle. Hein? Être adventiste, pas capable de sauver. Et ça fait en plus, on toujours dit, ah, c'est adventiste. Moi, j'aime dire que c'est adventiste moi-même. Je toujours dit que c'est chrétien adventiste du septième jour. Grande différence. Adventiste veut dire tout le monde qui a perdu tout Jésus. Mais pas nécessairement chrétien. Et je garantis que souvent de tout le monde dans le monde, tout le monde dans le monde a perdu. C'est pas vrai? Tout le monde a perdu. Mais est-ce que vous êtes chrétien pour autant? Non. Maintenant, être chrétien, être adventiste, pas capable de la vie éternelle. Mais moyen pour gagner la vie éternelle, là, où doit chrétien, adventiste du septième jour, doit transformer. Où doit transformer. Les zèles religieux ne garantissent rien. Quel que soit zèle, je suis capable de gagner pour bon Dieu, je suis capable de la vie éternelle. Je dois avoir une volonté. Juste une volonté, je suis capable de la vie éternelle. Ou quand il y a des gens qui ont une volonté, mais qui ne peuvent jamais faire ça qui doit être là. Ils ont toujours dit qu'ils ont une volonté. Mais leur volonté, fait ça qui doit être là tout. Maintenant, qui est avantage? Maintenant, ça c'est des bagages pour être considéré comme avantage. Laisse-le pour qu'on connaisse Jésus. Mais ça a un bel avantage, oui, pas vrai? Bel avantage, oui. Mais maintenant, les avantages inégalés de la connaissance. En oué, qui avantage Paul gagne lorsqu'il connaît Jésus? Premièrement, tous les trésors chéris que Paul comptait autrefois, quand le gain est soudainement devenu une perte, mais par la grâce merveilleuse de Dieu, ces choses que Paul imaginait autrefois, lui donnerait la vie éternelle, ont été remplacés par 5 avantages. On parle de 5 avantages pour le gagner
lorsqu'il vient joindre Jésus qu'on y a. Qui cinq avantages liés? Premièrement, la droiture. Hein? La droiture ou justice. Vous êtes capable de lire dans Philippiens chapitre 3, verset 9. Il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. En sorte que, ou même avec moi, nous justifier, non pas parce que nous observons les 10 commandements. Hello? Nous justifier, non pas parce que nous ne mangeons n'importe quoi bagaille. Nous justifier, non pas parce que nous observons le sabbat. Nous justifier, non pas parce que nous faisons ça, mais nous justifier par la foi en Jésus. C'est ça la Bible dit. C'est pas ça qui écrit là, c'est pas ça que je dis là pour là. La foi en Jésus. Maintenant, lorsqu'on a la foi dans Jésus, qu'on y a, ou d'où on a la foi dans Jésus, ou observer le sabbat. Ou avec moi, ou gen la foi dans Jésus, ou suivre le régime sanitaire. Puisque on gen Jésus qu'on y a là, ou fait ça qui doit. Puisque on gen Jésus qu'on y a là, on pas fin battre madame moi là caille là, après ça me courir vinn monter l'église là, vinn proposer semier qu'on y a. Puisque on gen Jésus, on pas fin caler mari avec bouche moi là caille là, et puis qu'on y a là, vinn là, m'a proposer semier. Puisque on gen Jésus qu'on y a là, marcher sous 13 mois pour me pas piler 14 mois. Puisque j'ai Jésus, m'apprendre mes mari moi. Puisque j'ai Jésus, m'apprendre mes madame moi. Puisque j'ai Jésus, m'observer les commandements de Dieu qu'on a. La droiture. Qui ça qui vient encore? La puissance. C'est Philippiens 3 verset 10. Notez bien, c'est Philippiens 3 verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Lorsqu'on gagne Jésus, qu'on y a, lorsqu'on gagne connaissance de Jésus, on gagne sacré les puissances là. Faut juste qui t'aime Dieu. Si nous te connais ça nous y est dans Jésus, nous t'as fait trop bagaille. Si nous te connais ça nous y est dans Jésus, nous t'as fait trop bagaille. C'est pas n'importe qui monde nous y est, non dans Jésus frères et sœurs. Avec Jésus, même est-ce qu'on connaît? Ou même avec moi pas connaît ça. Est-ce qu'on est gain monde qui t'ai voulait faire nous mal déjà? Il réalise pas qu'a faire nous mal à cause de Jésus. Ou qu'on qui quantité sacrifice qui fait sous non. Qui quantité tétin au fait derrière. Mais le fait qu'on caché en Jésus, en rien pas jamais river. L'en Jésus gain puissance. Il dit afin qu'il puisse le connaître et la puissance de sa résurrection. Paul savait qu'il n'avait aucun pouvoir dans la loi ou dans sa chair. Paul, parce qu'il ne reconnaissait pas Dieu. Paul connaît que seul pouvoir gagne, seule force qui gagne, c'est à travers Jésus. Et qui t'aime tout matin, ensemble, moi. Seule force où même avec moi gagne, c'est à travers Jésus-Christ. Deuxièmement, la fraternité. Fellowship. Fellowshipping with one another. Est-ce que vous pensez que nous devons fraternité, nous sommes capables de faire frère là-dedans? Est-ce que vous pensez que nous devons bon yon avec l'autre? Hein? Est-ce que nous devons bon yon avec l'autre? Est-ce que nous devons bon yon avec l'autre? Est-ce que nous devons apprendre à yon l'autre? Frère, c'est ça qui t'aime tout. Puis, gars, nous devons nous mentir. Si vous avez un bagage encourager, pas de faire tout mentir, zami moi. Pas de faire tout mentir. Même si je ne veux pas faire tout mentir. Je ne peux pas dire que je connais bon Dieu alors que je suis dans mon côté, je suis raï. Ça, c'est purement menti. Je ne peux pas dire que je connais bon Dieu alors que mes soeurs dans mon côté, je ne peux pas même dire bonjour. Qui aime même mon bon Dieu ça là? Et puis je viens camper sous chez ça. Ça veut dire là. Ça veut dire. M'ba ka di moi mes frères non alors que m'ba ka ba vinn ba côté pour m'ba la même dit ah comment yes ami moi et en pile nous capable noter puis en pile fois là m'a parlé avec nous m'ba rele nos frères m'rele nos amis ces amis nous doyer ces amis nous doyer et pas ça fraternité ces amis nous doyer ces sœurs ces frères moi ces amis c'est comme ça bon Dieu voulait nous yer nous doyer comme ça. Et si nous ne sommes pas capables comme ça, nous ne sommes pas prêts
pour aller dans le ciel. M'baka dit m'bra casser Gilles et puis pour m'a dit est-ce que m'ka manger? Non. M'arrive vais casser Gilles ben manger m'fini. C'est sème. Malé casser Paul Marie, c'est pour m'capable chita mal à l'aise, c'est casser moi malé. C'est ça que la vie chrétienne non. C'est ça chrétienté hein, c'est ça lié et s'il peut qu'on comme ça pour vous, ou pour qu'on en route là. Route qui mène à la vie éternelle là, faut nous capables des frères, des sœurs, la fraternité. Et lorsque vous avez fraternité, oh, et notez bien Jean-Paul énuméré, yo. Lorsque vous avez bagay sa yo, vous n'avez pas bagay bien sacré la gloire. Dans Philippiens 3, verset 11, notez bien, il dit, si je puis à la résurrection d'être entre les morts, ce n'est pas que j'ai remporté. En sorte que, Paul est en fait vision, il est pour aller dans le ciel. Ou même avec moi tout, nous sommes pour aller dans le ciel. C'est pas vrai? Nous venons dans le ciel parce que nous venons l'église, parce que nous voulons aller dans le ciel. Est-ce que je menti? Mais pour aller dans le ciel, nous venons dans le ciel, c'est ensemble, nous venons dans le ciel. Vous comprenez ça? C'est ensemble, nous venons dans le ciel. Et si nous venons dans le ciel ensemble, c'est depuis qu'on est capable, ensemble, oui. Hein? C'est depuis qu'on est capable, ensemble. Mais notez que Paul dit, il y a qu'elle fait, c'est oublier ça qui est dans le... Passé. Ouais, c'est ça, est-ce qu'on est? Bon, l'église m'était là-dedans, Florida. Je ne vais pas le dire dans l'église là, pour ne pas qu'on est. Bon, l'église m'était là-dedans, Florida. Yon frère commet yon erreur. Peut-être n'importe 20 combien années déjà. Erreur ça le commet là, à suivre jusqu'à se livrer Florida. Hein? Chaque fois, il y a l'église, dans le comité d'église, oh, frère, pas capable, non? Voici. On va se faire. Et ça qui est belle là, même toujours ri. Là, on va tout dire ça. Là, dans le comité, on ri. En pile fois, on sait des gens qui proposent plus catholiques que pape là. Vous comprenez ça? Gardez les ri. Pendant ce temps, il y a condamné frère Ange cause la volonté frère pas dans aucune position mais depuis 30 ans commet une erreur mais balou chance tout hein balou chance tout lui te commet une erreur c'est vrai te commet une erreur lui accepte te commet une erreur lui connaît te commet une erreur lui range cause la avec bon Dieu qui doit me moi même pour m'a crembe nous en otage qui doit me gagner pour m'a crembe en otage moi même et pendant m'a crembe en otage là m'a additionné péché. M'a additionné péché, m'a mes frères en otage, m'a mes soeurs en otage. Frères et soeurs, nous devons commencer par oublier ça qui est dans le passé. Qui est dépassé dans le passé et qui t'aime tout autant. As long as you cannot forget and forgive the past, you're still in prison, you're still in slavery. Ou doit apprendre à oublier le passé pour capable aller vers l'avant. Parce que s'oublier le passé, s'oublier abandonner le passé, quitter le passé dans le passé, ou pas jamais avancer vers l'avant. Est-ce qu'on est un paquet de monde qui est paralysé mentalement? C'est tout simplement un bagage qui est arrivé dans le passé, ou toujours à vivre dans le passé. Alors que en tant qu'humain, on ne peut pas vivre dans le passé, ou doit vivre dans le présent. Le fait que mon a toujours l'esprit c'est dans l'arrière, ou tel bagage est arrivé, tel bagage est arrivé, maman m'a dit, so what? Qui t'est passé dans le passé, n'a avancé vers l'avant. Et c'est ça Paul dit. Il dit, une chose que j'ai fait, oubliant ce qui est en arrière, ça qui est dans le passé, quitte en arrière, ça qui est en arrière, quitte en arrière, ça qui est en derrière, quitte le derrière. Et pour mes pourtant, vers le but. Oubliez le passé. Voici ça qui t'aime dire l'église là. Si pour l'église a guéri, si pour l'église a allé vers l'avant, nous devons apprendre à quitter le passé dans le passé. Nous devons s'entendre de ça que dit. Nous devons quitter le passé dans le passé. Un tel te fait un tel bagage, il a l'état qu'on a pour aller jouer une fois là, pour aller jouer une fois là. Je dis, frère, moi, c'est moi, tel bagage te fait tel bagage, même m'excusez-moi, pardonnez-moi. Nous voulons vivre ensemble, nous prions ensemble, et puis la vie a continué. La vie a continué. C'est comme ça le loyer. Même souhaiter ici à la bague de monde qui ne peut pas parler avec le monde. Je souhaite vraiment, je souhaite ici à la bague de monde qui l'aide avec le monde. Parce que nous disons, c'est chrétien, nous y est. Maintenant, ouais, on me dit, je ne vais pas parler avec nous. C'est avec les gens qui sont sortis, je ne vais pas parler.
Je crois que je connais Boïsia, il n'y a pas de monde qui ne peut pas parler avec moi. Je connais Boïsia, tout le monde est frère avec ça. Ça, c'est menti. Non? Parce que moi, il y a des gens qui sourient avec moi, ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Boïsia, c'est chrétien qui Boïsia. Et si c'est chrétien, nous devons être capables de parler une avec l'autre. Nous devons être capables de vivre une avec l'autre. Et qui t'aime, frère Jésus, je suis dans l'église longtemps. Je suis dans l'église longtemps. Somebody says, there's no hate worse than holy hate. Because holy hate never stops. Son bagage qui terrible pour les gens dans l'église. Ou pensez c'est frère, ou pensez c'est soeur, pourtant c'est pas jamais vrai. Son bagage qui a mené les gens dans l'enfer même. Pour apprendre que ce monde qui pense que tes frères n'ont pas frère, le vrai, pas seul vrai. Frère, c'est un bagage terrible. Son bagage qui ont démangé son lien dans l'église là. Nous disons c'est frère, on nous vit tant que frère. Frère, j'ai quitté me demande dans l'église longtemps. Pour m'apprendre, il y aura des gens, si il y a des raisons, il y aura des gens plus, c'est une fornication adultère. Ou bien voler. Frère, je m'a dit nous ça clairement. M'a dit nous ça clairement. Nous connaissons ces frères nous mieux, pas vrai? Ces frères nous mieux. M'a dit nous ça clairement. Si yon moun dans l'église là, choisi, pour diffamer yon lot. Non, ça m'a dit très bien. Si yon moun dans l'église là, choisi pour diffamer yon lot, ou bien parler yon lot mal, et que m'ta trouvé ces vérités liées, m'garantis ou, ou après à dire même à tout le monde, ou bien censurer même à tout le monde. M'ba, c'est pas pour m'voyer ba moun, m'ba voyer mes sabans nous, m'dis nous ça clairement. Si nous comprenons, nous sommes capables de venir dire ces chrétiens nous pendant que nous parlons de mal et que nous arrivons à connaître ces vérités liées, ou parler de mal, nous garantissons que nous ne montons pas là encore. Nous sommes capables de dire ça à tout le monde. L'élite pour nous chrétiens qu'on y a. L'élite pour nous faire ça qui doit. L'élite pour nous marcher droit avec bon Dieu. L'élite pour nous capables de vivre en tant que frères. Si c'est frère nous, il faut nous capables d'aller embrasser une autre. Bonjour frère, bonjour soeur, moi. L'élite. Et tout autant, nous ne pouvons pas comme ça, l'église a paralysé. Souvent, dans des mondes, dit l'église a un problème. L'église n'a pas aucun problème. Où est-ce qu'il y a un problème? L'église n'a pas aucun problème. Aussi longtemps que nous concernons les 4 000, il n'y a pas aucun problème avec aucun monde là. Il n'y a pas aucun problème avec aucun monde. Nous chargeons problème. Nous venons avec problème. Nous, ou mal, je me dis, je dormi avec madame hier soir. Je me couché dans le wrong side of the bed. Et puis, je viens là, je viens passer rage moi sous mon. Non! Qui t'aime du frère et soeur? Sou te vin là, m'a dit ça, sou a vin l'église là. Ou te couché avec Marie ou avec madame ou pas bien levé. Mette chaud avant d'entrer dans porte là. Quitte mauvaise carton là dehors avant d'entrer là. Quitte le dehors avant d'entrer là. Parce que là c'est Jésus nous dit n'a relé là. Et si c'est Jésus n'a relé là, là c'est pour lorsque nous dit nous la bonjour, il sorti dans cœur nous tout bon vrai. Quitte le dehors. Ou bien, si vous ne sentez pas prêt pour venir, nous allons comprendre ça. Nous allons comprendre ça. Mais quittez le déo, pas venir là, et puis vous êtes soeur, et puis vous. Non. Ou bien pour vous êtes frère. Non. Quittez le porte là, et puis vous finir et venez entrer là après ça. Ensuite, frères et sœurs, faites votre objectif, celle de Dieu, celle de Dieu. Faites objectif nous, objectif bon Dieu. Frère Jésus, c'est dans la volonté de Dieu, ou même avec moi, la vie éternelle. Frère Jésus, c'est un bagage qui m'a aspiré, m'a soupiré. Frère Jésus, m'a dit nous ça clairement. Je suis nous sauver. En vérité, je suis nous sauver. Et pas grand rien ne peut faire ici à là pour m'aider à nous sauver. Mais pour nous sauver, il faut que nous voulions sauver tout. Il faut que nous voulions sauver tout. Il faut que nous voulions sauver. Bon Dieu fait provision pour la vie éternelle nous déjà. Et laissons semaine ça même. La parler de ça. À travers Jésus-Christ, bon Dieu prédestiné pour moi-même avec vous la vie éternelle là. Mais question, est-ce que vous-même avec moi voulez la vie éternelle là? Est-ce que nous voulons marcher avec bon Dieu vrai? Mais pour marcher avec bon Dieu, il faut nous honnêtes une avec l'autre. Il faut nous sincères une avec l'autre. L'île est pour nous capables honnêtes. Nous devons aligner nous avec plan bon Dieu. Aligner nous avec plan bon Dieu. En nous conformer vie nous avec vie l'éternelle là. Notez bien Paul dit pas à la courir, mais la courir pour le remporter.
pria. Même Jean ou même avec moi, nous n'avons course, nous courir, nous t'arrêtons de remporter, priant. Et priant, c'est la vie éternelle. Paul dit, à moi-même avec vous, nous devons concentrer nous sur Jésus. Frères et sœurs, nous devons concentrer nous sur bon Dieu. On mette de côté toute distraction. On mette de côté tout ça qui ne va pas mener nous dans la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est une belle bagarre. Où les frères avec ceux à vivre? Hein? Moi-même, je côté, je suis honnêtement. Du côté me grandit, hein, me grandit dans la cour grand monde. Nous pas sortir en dehors. Faut sortir en dehors pour comprendre ça. Nous me sortir dans la cour, me sortir en là, y a pas de bon droit pour te socialiser avec ti monde dehors. Parce que nous sortir dans la cour, tu gagne pas 34 ti monde. Petite frère avec ça. Yo dit depuis là on grandit, yo dit ou pas gagne amis mes amis yo. That's it. Et ou quand ça qui doit là? Là comme ça. Ou pas qu'à dire ou pas parler avec un tel, ou pas qu'à dire ou pas parler avec un tel, parce que bâton à plevo, bâton à poucho, comment on fait pas parler avec un tel? Comment on fait pas parler avec un tel? C'est cousin lié, c'est cousin lié, c'est foi lié, c'est soeur lié. Par contre, ou pas qu'à parler avec, ou pas qu'on choix. Pas qu'on a nous t'élever comme ça? Hein? Pas qu'on a nous t'élever comme ça? Ou pas qu'on choix? Ou doit parler avec un tel? Bon, même songe moi-même personnellement. Si vous avez dit que vous parlez avec elle, bon, vous ne parlez pas avec elle, vous dites allez, allez parler avec elle. Et vous ne pouvez pas faire semblant de parler avec elle. Vous êtes obligé de parler tout bon avec elle. Et puis tout bien, vous finissez. Mais c'est comme ça. Nous devons apprendre à vivre une avec elle. En nous débarrasser nous de toute distraction. Frère, c'est ça qui t'aime. Bon, c'est des bagages Satan voyez au milieu de nous-mêmes pour distraire nous. Hein? Comme vous, frère, c'est ça. Satan pas jamais gagner nous là, Satan pas jamais dire quitter l'église parce que connons au lieu ça pas marcher. L'idée à connons pas quitter l'église là. Mais Satan capable dire ah c'est interdit aux paroles sur vous. Mes amis, c'est interdit telle parole sur moi bon, des boutons de ça là, ou pas même consulter avec ce intel avec frère intel ou que tu as une attitude envers frère intel, c'est intel. M'a tendre ni moi-même dans l'église là qu'on y a. Et pour dire c'est chrétien. Mais sous le temps de ce intel, frère intel, nous parle de où? Alors, frère intel, alors, frère intel. Bon, si vous n'êtes pas capable de parler, pourquoi nous même disposer et disponible pour la voix? Alors, frère intel, frère intel. Nous n'avons pas discuté. Et puis, nous avons ça qui sorti. Vous avez dit, c'est comme ça, supposé. C'est ça, chrétienté. Nous devons, ça t'a prononcé des distractions au milieu de nous-mêmes pour faire nous parler de la vie éternelle. Mais nous-mêmes avec moi, nous devons être intelligents. Pour nous réaliser que non, nous voulons sauver, nous t'avons aimé sauver, pour mettre des actions derrière, oublier tout ça qui est passé dans le passé. Frère Jésus, qui t'aime, je vais terminer en ça. Lui, là, il est en frère et soeur. L'homme avec d'un con mordé. Hein? L'homme avec d'un con mordé. Ou même, pas gagner nous là qui nous battons avec nos frères avec soeur. Alors, gagner nous là qui proposent nous battre, nous battons avec l'autre. Moi-même, songez, moi-même, j'ai un petit soeur qui fait derrière. La emmerde moi. Emmerde. On l'a le bon mon coup, on seul coup de pied. Même pas celle de tout moui. Mais laisse un petit monde petit. Nous bataille. Nous avons l'autre cousine, même temps de se. On se chef lié, se coq lié. On l'a dit, me fait exprès, me dit, l'autre bois, même pour lui. Pour me tendre, pour moi, s'il te cas, voyez, coup sous moi. Pour me te cas, tout. Maltraiter la couteau. Mais ça, c'est l'autre petit monde. Nous-mêmes, nous tous là, c'était le monde, nous ne pouvons pas battre une avec l'autre. Hein? Nous voulons montrer que nous ne pouvons pas battre entre une l'autre, entre frère avec soeur. Moi-même, je ne pouvons pas battre avec soeur, moi avec frère, moi. Vous avez dit, non? Mais est-ce que ça, je dis que autant, je finis de battre avec lui, je juste la gueule? Non! Mais, pour me dire ça, pendant ce temps, je finis de battre avec frère, moi avec soeur, non, là. Si je sortis dans l'arrière, là, il y a un autre qui campe en quoi contre lui, ah, je vais passer sous ça tout lui-même. Comprendre ça? Eh mais c'est comme ça. C'est ses frères avec ses nouilles. L'on a avec d'un camarade. Nous ne pas les mêmes gens. Nous ne pas sortir même côté. Nous ne pas grandir même façon. Nous ne pas même éducation. Nous ne pas même formation. Nous ne pas d'accord une avec l'autre. Mais est-ce que je dois de respecter pour ça? Hein? Non, je dois de respecter. Je dois respecter. Ou dois respecter tout. Nous devons vivre ensemble. Frères et sœurs, je prie nous en grâce. Je prie nous en grâce. Ça dans le passé, on quitte dans le passé. Est-ce que nous avons dit ça? Ça dans le passé, on quitte dans le passé.
Si gen moun ou gen pou al fè la paix avec lui, make sure ou al fè la paix avec moun nan. Parce que ou pa ta reme se moun vin konnen bagay sa ki ou pa parle avec intel. Li pa fè sens. Li pa bon pou ou. Li pa bon pou l'église. Li pa bon pou nou. An nou fè afè nou douat tankou moun civilisé. E pa vwè? An fè afè nou douat et propre tankou chrétien. Et lorsque nous faisons ça, nous marchons ensemble. Notez bien, Paul dit, au point où nous sommes parvenus, marchons comment? Marchons comment? Marchons comment? Marchons comment? En sorte que nous avons gagné un désagrément une avec l'autre. Et pas vrai? Ça va arriver. Mais est-ce que nous avons jeté tout? Non, c'est frère mouillé, c'est soeur mouillé. Ça qui arrive, on fait mon bagage qui passe ça. Et ça, on fait mon qui passe ça. Mais même, on a fait mon courage pour me dire, ah, frère, moi, soeur, moi. Ça, on fait mon pas bon. On pas rien, même. Pas fait ça encore. On a fait ça, on ça. Ou même tout qui me dit ça. Accepter, on a toujours dit ça. On a dit ça dans un sénat, dans un comité. Et on a dit ça la dernière fois. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est la façon qu'on se voit là. Si Sœur Véronique me dit faire Sœur Véronique un baray, Sœur Véronique dit pasteur ça dit m'ont offensé. Moi dois tenir compte que m'offensé. C'est pas moi même qui dois penser m'pas offensé mais dis-moi moi offensé, m'dois une excuse qu'on y a. Faut c'est pas jamais mettre nous trois haut pour ne pas faire excuse une avec l'autre. La Bible dit monde qui baisse a, bon Dieu va lever. Mais monde qui lever a, vous va baisser. Mais moi courage pas lever tête tout, quitter c'est bon Dieu qui lever haut. Pas lever tête tout, mais quitter c'est l'Éternel qui lève. Parce que si c'est l'Éternel qui lève, l'Éternel l'élève moun, l'élève le bien, l'élève le net, et l'élève pour le temps et pour l'éternité. Et c'est ça que yon texte préféré dans la Bible à tout. C'est dans Psaume 113. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son père. C'est bon Dieu qui fait au même avec moi quelque chose. Et selon texte à tout, non seulement bon Dieu élevé non, bon Dieu veut mener au même avec moi dans la vie éternelle. Pour être capable de comprendre, pour nous arriver dans le ciel, nous parlons d'Abraham. Nous lions à Abraham. Nous tendons parler d'Abraham. Mais nous parlons pour nous voir Abraham. Nous tendons parler d'Adam avec Ève. Mais nous parlons voir Adam avec Ève. Nous tendons parler de Jacob. Nous tendons parler d'Isaac. Nous tendons parler de Osée et des prophètes. Mais pour l'Éternel faire plan, ou même avec moi, nous parlons pour nous voir. Et finalement, nous tendons parler de Jésus. Nous entendons parler de Jésus, pas vrai? Et nous remettons de parler de Jésus. Mais bonne nouvelle là, il y a un jour qui n'est pas trop loin. Nous ne pouvons pas parler de Jésus. Nous allons voir Jésus. Et non seulement nous allons voir Jésus, Jésus va parler avec nous-mêmes, avec moi. Ou moi-même, si j'ai un bagage, je vais remettre. Il y a un jour, pour moi, bon Dieu, face à face. Il y a un jour, pour m'appuyer sur l'épaule, tout même, j'ai un qu'on le fait. Il y a un jour, pour me poser des questions. Parce que j'ai des questions pour me poser le tout. Je vais poser des trois questions. Ou même tout gen question ta reme poser ou même tout gen baga ou ta reme parler avec bon Dieu. Mais si nous voulons faire ça, on nous marcher ensemble. Faut que j'aime prier nous en grâce, on nous marcher ensemble, on nous vivre ensemble, on mette de côté ça qui pas mener nous dans ciel qui pas qui pas mener nous dans ciel, on mette de côté. Faut que en vérité m'ta reme ouais nous sauver et me voulez nous connait moi mais nous et me dit nous ça avec tout cœur moi mais nous moi mais l'église bon Dieu. Mais souvent, quand il y a l'église, mon Dieu, si vous n'avez pas fait attention, vous même encore pas perdu. Moi-même, nous avons aimé nous sauver. On nous fait effort pour nous sauver. On nous marche ensemble. Et si nous faisons ça, un jour qui partons, nous allons gagner la vie éternelle. Vous voyez, je ne sais pas si je termine, je ne sais pas prier avec nous. Je veux faire une prière spéciale ensemble avec nous. Je veux faire une prière spéciale ensemble avec nous. Et je vais inviter tout le monde qui est ancien dans l'église, là, capable d'avancer, capable de venir jouer nous par devant. Nous voulons prier ensemble avec vous. N'a pas le mettre nous debout et n'a pas tout chanté chanson comme chant final là tout et puis n'a fait une prière spéciale parce qu'elle a avancé. N'a pas avancé. N'a pas chanté non esprit de pardon. N'a pas fait une confession totale entre nous-mêmes. Et si on monde ou qu'on n'a pas bien avec elle ou pas bien avec ou pas parler avec elle, suspend by tête ou menti, elle parler avec moun ça, elle joindre moun ça, dit frère c'est moi. Lui est pour nous faire bagaille au droit qu'on y a. On nous fait bagaille au droit. N'a chanté le numéro 277. Et après n'a pas m'a prié m'a des premiers anciens capable faire une prière de reconsécration pour nous.
numéro 277. J'ai longtemps erré sans gué, altéré de vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur a vu, mon cœur a vu, ne trouvait que la douleur, que la douleur. Oh Jésus, ta main vaillante, oh Jésus, ta main vaillante, m'a sauvé de mon tombeau. J'ai saisi cette assurance qu'il m'apportait, il m'a. J'ai livré sans résistance, sans résistance. Tout mon cœur, il est. Oh Jésus, ta main vaillante. Oh Jésus, ta main vaillante. M'a sauvé de mon tombeau. M'a sauvé de mon tombeau. Et si bon, le bon attendu. Quatrième couplet. Hein? Mon sauveur me fait marcher. Me fait marcher. Par la paix que Christ m'envoie. C'est Jésus qui me donne. C'est Jésus qui me donne. Et sa paix et son amour. Ajouté, je m'abandonne. Alors que nous pourrons prier, avant nous prier, frères et sœurs, nous voulons analyser tête ou même. Si vous avez un monde pas parler avec lui et que vous avez un monde là, pour qu'ils ne soient pas déplacés à le ranger avec nous avant même nous prier. Si vous avez un monde qu'on n'a pas salé dans l'église là, mais vite au y là, à chercher mon ça, à salé mon là, à le ranger avec nous là. Avant de prier. Parce que si vous venez, si vous ne faites pas ça, ou juste venez prier là, je garantis que vous ne pouvez pas dire rien. Allez ranger vos choses avec mon nom. Parce que nous avons prié pour bon Dieu tendre la prière. Mais pour bon Dieu tendre la prière, nous avons mis un camp parmi nous. Nous avons mis nous jouer tout l'autre pour nous amener une avec l'autre. Nous tout l'autre pour nous faire des amis une avec l'autre. Amen. Nous t'avons même fait ça. Second monde là, avant de nous prier, rangez vos choses avec mon nom. Rangez vos choses avec mon nom. Il est le temps, frères et sœurs, pour nous chrétiens. Il est le temps pour nous servir, bon Dieu, droite. Il est le temps. Nous les vivons chaque jour, mais rien ne va jamais marcher. Si Marie pas monter, si Marie pas descendre. Et puis nous disons aux chrétiens, rangez vos choses avec bon Dieu. Rangez vos choses avec l'Éternel. Nous ne pouvons pas pleurer
Nous allons appeler. We need to stop playing church. Il est le temps pour nous être honnêtes avec une autre, avec mon Dieu. Et pour nous marcher droit avec mon Dieu. Sans mémoire. Nous voulons prier l'Éternel. Mais nous voulons une bonne possibilité pour ranger cause avec mon nom Bogoto là. Ranger cause avec mon nom Bogoto là. Ou disait frère lié. Ou disait sœur lié. En nous ranger cause avec l'Éternel. Je viens là pour me bénir moi-même. Même pas mais c'est où quand péché me bénir non plus tout. Ni pas vraiment moi quand péché béni. On ranger cause nous. Peut-être c'est madame ou pas ami avec le vrai. Cherchez bien avec madame. C'est ma roue. Cherchez bien avec ma roue. Mangez qu'on soit avec bon Dieu. Mangez qu'on soit avec bon Dieu. Et là, mettez-nous à genoux. Et puis, bien, on s'en prie pour nous. Notre Seigneur et notre Dieu. Bon être le Père des cieux, Papa nous qui dans le ciel là. Nous bénissons, nous rendons gloire à vous-même. Nous venons pour nous dire merci pour l'amour, pour la miséricorde qu'on manifeste dans la petit tout. Merci pour Jésus, quand tu es vrai, viens mourir pour nous sur le bois ferme du calvaire. Pour le pardon de nos péchés, nos fautes, nos iniquités. Qu'ensuite au péché de nos premiers parents, eh bien nous tous nous sommes errants, nous sommes loin de nous-mêmes. Nous avons un fossé qui est établi entre nous-mêmes, ensemble avec nous-mêmes. Mais par l'entremise de Jésus, vous établissez un bridge, un pont, pour que nous sommes capables de jouer avec nous-mêmes. Ainsi donc, en ce midi, alors que nous venons pour que nous adorions en esprit en vérité, alors que nous sommes parlé avec cœur chacun de nous, pour te inviter nous, pour que nous soyons capables de quitter le regard, nous focus vers nous-mêmes seulement. Alors que vivant, c'est une course que nous et en tant qu'athlète, nous devons remporter la victoire. Mais sans nous-mêmes, la victoire nous est déjà faussée. Mais avec vous-même, nous sommes certains que victoire nous a déjà rassuré. Ainsi donc, dans la minute, ça, un gros ennemi que nous gagnons en nous-mêmes, c'est l'orgueil. C'est le jeu. C'est faire que nous comprenons plus que l'autre. Et ça qui empêche lorsque nous gagnons. Lorsque nous en désaccord avec soeur, nous, avec frère, nous. Il ne va jamais prêt pour nous pardonner yon lot. Car ou dit dans la parole, si nous ne pardonner yon lot, nous ne pouvons aussi pardonner en même. Et à midi ça, alors que nous voulons à ce qu'on pardonne nous voulons à ce que le péché nous est capable d'effacer, nous voulons à ce que la confession nous est faite, nous faisons capable de monter vers nous-mêmes. Et pour que nous soyons capables de retrouver le résultat de pardon que nous demandons. Et de ce fait, nous demandons tant pis. Bah nous force, aidez-nous pour que nous puissions apprendre à pardonner l'un l'autre, bon côté nous. On ne pas faire, même genre avec des hypocrites. Pour que nous n'ayons que dit soulève-nous que nous pardonner et pourtant en fond, aide-nous, ce n'est pas vrai. L'un ou est seul, nous à gauche, nous fait à droite. L'un ou est frère, nous à droite, nous fait à gauche, juste pour nous rencontrer avec eux et pourtant que nous disons pardonner l'un l'autre. Nous avons autant prié de délibérer nous de mauvaises actions, de mauvais actes, de mauvais comportements. Mais aidez-nous pour que nous apprenions à connaître. C'est depuis sous terre pour nous apprendre à vivre ensemble. Pour que lorsque nous allons dans le ciel, nous puissions vivre aussi ensemble. Bénis serviteur vous que vous avez choisi pour parler avec nous matin. Nous avons demandé qu'on capable de verser grâce à l'abondance de son lit. Nous sommes en lien avec toute votre famille. Et permet à ce que. Chaque de nous ici présents, lorsque nous sortis là, pour que nous tous capables sortis bénis, parce que vous parlez avec nous, nous entendez et nous faisons action. Tant de cris, tant de supplications, fais-nous du bien, sauvez-nous. Il permet à ce que, en dans l'église, ça que nous ayons des rancunes,
l'ennemi, l'orgueil. Et bien, à partir d'aujourd'hui, que tout capable bam. Écoute, exauce, bénis, pardonne, sauve, fais-nous du bien. Il permet à ce que nous sommes tous capables d'insérer dans le livre de vie. Et lorsque Jésus vit, nous sommes capables de voler pour nous avec les béatitudes sans fin. Nous ne prions pas en qualité de bon ou de juste, mais nous prions en Jésus, à lui seul soit la gloire dès à présent et pour toute l'éternité. Amen.